Confiance pour mon histoire, pour le mois de mars à ma peine. J'ai foi en toi de tout mon cœur pour garder mes départs et mes arrivées. Je veux te dire à ma Père que moi je te fais confiance. J'ai foi. Oh, je ne doute pas, je suis confiant. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois que tu es le Dieu de la faveur divine. Le Dieu des portes ouvertes. Celui qui ferme une porte et personne ne peut ouvrir. Non. Et quand tu ouvres une porte à ma Père, je crois que personne ne peut fermer. Oh, amène-moi seulement au niveau de foi, au niveau de pensée, au niveau de la mentalité, de la conscience, de la vérité. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Accorde-moi, amène-moi à la dimension de la conscience, de la vérité. J'ai foi, je me confie en toi, de tout mon cœur, de toutes mes forces, à ma Père, j'ai foi, oh j'ai foi pour mon futur, j'ai foi dans tes projets de paix et non de malheur. Des projets pour me donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire dans l'assemblée que je ne doute pas. J'ai foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proclamer? Oh, ma Père, j'ai foi dans le Dieu fidèle et véritable. La vie éternelle, l'homme de Galilée, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé du tout. J'ai foi. Et Ramaya. Que ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. J'ai foi en toi, la résurrection et la vie. J'ai foi dans le fait que tu es le Dieu de la percée. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es ma délivrance et ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. J'ai foi. J'ai foi que là où l'homme ne peut pas agir, tu peux agir. Je sais que tu passes par les hommes, mais s'il n'y a personne pour me secourir, j'ai foi dans ta capacité à me secourir. Oh, moi je ne sais pas pour les autres. Mais Père, moi je veux te dire que j'ai foi. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, que tu veux et que tu vas. Ah, ma Père, ah, les Katamara et les Katobaria, Inamaro Kotosia. J'ai foi que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. J'ai foi que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. J'ai foi en toi que mon visage ne sera pas couvert de honte. La honte ne restera pas sur ma vie. La confusion ne restera pas sur ma vie, sur mon histoire, sur mon témoignage. Ma lumière brillera. Je veux te dire que j'ai foi.
Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas continuer. Je ne sais pas comment tu vas te déployer. Tes voies sont insondables. Mais moi, j'ai confiance dans le résultat final. J'ai confiance. J'ai foi que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je proclame ma foi. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Ah, je veux te dire que j'ai foi. Rekoto sakabare. Ah, ma père, j'ai foi en toi. Et la roue mare. J'ai foi en toi. Oh, moi je ne sais pas pour mon voisin. Mais moi j'ai foi en El Shaddai. J'ai foi en Jésus le Christ. On l'appelle Jésus le Christ. Ça veut dire Jésus le Messie. Jésus l'envoyé du Père. Jésus l'accomplissement de la promesse. Jésus, loin de Dieu, le messager, l'envoyé, la postérité de la femme. Je veux te dire que j'ai foi. Parce que si tu n'as pas foi en Jésus, alors tu ne peux pas avoir foi en quelqu'un. Parce qu'un seul a vaincu la mort et le séjour des morts. Un seul a humilié le diable. Un seul a vaincu la mort et le séjour des morts. Un seul a écrasé la tête du serpent. Un seul a vaincu le dragon, le grand dragon, appelé le diable et Satan. Si tu n'as pas foi en lui, si tu n'as pas foi en lui, le seul nom qui sauve, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a de salut en aucun autre. Si tu n'as pas foi en lui, alors il n'y a pour toi aucune espérance. Mais moi je veux te dire que j'ai foi, que j'ai foi de tout mon cœur. À ma père, j'ai foi. Je te fais confiance, j'ai foi en toi, de tout mon cœur. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne connais pas les itinéraires que tu prends, mais je sais que tes œuvres sont admirables. Que tes œuvres sont merveilleuses. Que tes œuvres sont admirables. Elles suscitent admiration. Tes œuvres sont merveilleuses. Elles suscitent l'émerveillement. Tes œuvres sont magnifiques. Elles suscitent l'émerveillement. Tes œuvres sont redoutables. Elles suscitent la terreur. J'ai foi en ça. Et moi je sais que je suis ton ouvrage. Je suis le poème que tu écris. Je suis l'ouvrage de tes mains. Je suis la brebis, tu es le berger. Je suis le bâtiment, tu es le bâtisseur. Je suis le potier et tu es l'argile. Alors moi je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je veux te dire ce soir, Abba Père, il y a quelqu'un qui veut te dire, sur le mois de mars, j'ai foi. Oh, j'ai foi. C'est toi qui as annoncé par la parole prophétique que 2023 sera l'année de l'achèvement des situations qui perduraient depuis trop longtemps. J'ai foi. Je sens à l'intérieur de moi que cette parole était pour moi pour le mois de mars. Je sens que c'était pour le mois de mars, c'était pour moi. Alors Abba Père, je veux te dire, parce que tu as besoin de trouver la foi en moi au mois de mars. Il faut que le mois de mars ne me trouve pas dans la dépression. Lorsque la parole vient te visiter, il faut que la parole te trouve prêt. Il faut que la parole trouve la foi en toi. Il ne faut pas qu'il soit dit à ton sujet la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas. Elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ah non, ça ne sera pas dit à mon sujet. Lorsque les anges messagers, lorsque les anges visiteurs, lorsque les anges apporteurs des colis divins vont venir au mois de mars, chaque jour du mois de mars, ils trouveront la foi. Ils trouveront quelqu'un qui attend les postiers. Ils trouveront quelqu'un qui attend les postiers. Quelqu'un qui attend la visitation. J'ai foi. J'ai foi à ma père. Que sur le mois de mars, il y aura quelque chose de particulier. Que sur le mois de mars, tu vas visiter. Sur le mois de mars, tu vas abréger. Sur le mois de mars, tu vas finir avec ces maladies, avec ces situations, avec ces conditions qui perduraient depuis trop longtemps. Tu as annoncé la parole. Tu n'as pas dit quel mois de l'année.
mais je ne sais pas pour les autres. Mais mon témoignage intérieur me dit que mars sera un mois qui va me faire sourire. Mars sera un mois qui va me faire pleurer. Mars sera un mois d'émotions. 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 Mars sera un mois où je vais palper, je vais palper, je vais palper. Ah, bien-aimé, ça sera un mois d'émotion. Je ne sais pas pour qui, mais il y aura de l'émotion. Il y aura de l'émotion. Il y aura de l'émotion. Ah, il y aura de l'émotion pour quelqu'un. Ah, katabaro koto sakapaya. Ah, ma père, il y aura de l'émotion. Oh, je sens que ça sera un mois d'émotion. Un mois, on va dire, ah, Seigneur, tu l'as fait. Ah, Seigneur, tu l'as fait. Ah, 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 bah, tu l'as fait. Je vois. Je vois. J'ai foi. Je ne sais pas si c'est toi, tu as foi aussi. Mais il y a quelqu'un comme moi qui est en train de crier parce qu'il a foi. Il ne veut pas le garder pour lui, il a foi. J'ai foi, mon père. Dieu. Ah. Et racontons ça. Oh, ça sera un mois d'émotion. Aïe, 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 aïe. Oh, racontons ça, Baya. Oh, j'ai soif, je vois, je crois à ma père. Je ne sais pas pour mon voisin, moi je suis là. Oh, ma père. Ikabado, Ikabade, Nisuko Tabare, Ito Barakadusa, et Rabadou Seketabaya. J'ai. Oh, j'ai foi. À ma père, j'ai foi. Tu as dit que ça sera le mois. Les choses qui duraient depuis longtemps vont s'abréger. Ah, il retourne sa camara. Je ne sais pas comment tu feras, mais j'ai foi. Je ne sais pas comment tu feras, mais j'ai foi. Il recote aussi Namare, il Namaro, chaque Mara, il recote aussi Kamara. J'ai. Aïe, 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 aïe. Il n'abra tout ça. I trust in you. I believe, oh God. I believe. I believe. I believe, oh God. I kabare dosa ke mara dosa. Ah, aïe 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 aïe. En masse, quelqu'un va palper. Quelqu'un va palper. Quelqu'un va palper. Oh God, oh God, oh God. Ah, redosaya. J'ai Sinabare Shilda Katoba Inabaro. Oh, sur le mois de mars, j'ai foi en toi. En ta protection, en ta délivrance, en ta guérison, en ta manifestation, en ta gloire, en ton expression, en ta tangibilité. Au mois de mars, il y a des paroles qui seront faites chères. La parole sera visible, la parole sera contemplée. On dira au mois de mars, et la parole a été faite chère. Jean chapitre 1, au verset 14, il dit, la parole a été faite chère. Et nous avons contemplé, au mois de mars, quelqu'un va contempler, 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 contempler. J'ai foi, la parole sera contemplée. Et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Pleine de grâce et la vérité, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Oh, j'ai foi, j'ai foi. Reto barbakita zabare. Jade brakuto si kabare. J'ai. Oh, ma père, je crois en toi. Oh, de tout mon cœur. Ah, ma père, j'ai. Redosé Cabarou. J'en ai barré la nado si là-bas.
Nebrotosi que parade la maviera no. J'ai foi en toi. Oh, God. Ah, il y a des paroles que j'ai depuis des années. Il y a des paroles qu'il avait libérées. Il avait dit que l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Affiche la suite, affiche la suite, avance, avance. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Je suis dans la joie. Cette prophétie est pour le mois de mars. Il avait dit, ça sera comme un rêve. Ça fait des années que tu attends. Ça fait des années que j'attends. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais là, l'Esprit est en train de me dire, tu vois, comme par hasard, le mois de mars, c'est le mois où la famille, c'est pas la France, c'est pas l'île de France, c'est la famille en Pakistan chrétien. C'est chance, fais un pas. Fais un pas. Entre. Entre. Mets les deux pieds. Et l'Esprit est en train de me dire, ce que vous allez faire physiquement n'est que le reflet, c'est un message de quelque chose, d'une percée spirituelle. Quand l'église step in, c'est-à-dire met le pied à la cité royale, ta destinée a changé. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un peuple qui a migré, c'est un peuple qui s'est déplacé. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos larmes, nos bouches étaient remplies de cris de joie. Et nos bouches de chant d'allégresse. On disait pour nous, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux, à travers eux, des grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Mars sera un mois. Tu vas palper. Tu vas voir la manifestation. Nous avons contemplé. Et la parole a été faite chair. Et la prophétie a été faite chair. La parole annoncée a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas seulement une entrée physique. Il va y avoir une percée spirituelle. Il va y avoir une percée dans l'atmosphère. Des percées de libération, des percées de promotion, des percées de richesse, des transferts. Il va y avoir des percées, des portes ouvertes, des percées de contrats, des percées de signatures, des percées de vigueur, des connexions divines, des connexions surnaturelles, des alliances, des connexions, des grâces, des faveurs, des opportunités à ma paix. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'ai on parle tes émotions. Oh, tes émotions seront saisies. Ça sera un mois d'une intense émotion. Prépare-toi à pleurer au mois de mars. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La prophétie a été faite chair. Le bébé que tu as porté, la grossesse que tu as portée,
Les grossesses que tu as portées seront faites de chair. La foi que tu as gardée et persévérée, les semences que tu as semées seront faites de chair. Les poissons seront faites de chair. Les grâces seront faites de chair. La puissance de Dieu sera faite de chair. La libération sera faite de chair. La guérison sera établie. Le mariage, la fiançaille sera établie. Les percées seront établies. La réussite sera établie. Le succès sera établi. La faveur sera établie. Au mois de mars, entends ce que dit l'Esprit. Au mois de mars, ça fait longtemps, ICC. Ça fait longtemps que tu étais caché sous la table. Une lumière cachée. Alors qu'elle n'a pas été créée pour être cachée. On ne cache pas la lumière sur le boisseau. Ça fait longtemps que tu as été caché. Ton histoire sera l'histoire de l'église. Mois de mars, quelqu'un sort de la cachette. Mois de mars, il y a une personne, il y a des familles qui deviendront exposées, visibles. On ne pourra plus te passer à côté de toi comme si on ne te voyait pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais le mois de mars, il y a quelqu'un qui était caché qui va sortir de la cachette. Il y a des personnes que tu vas présenter comme des trophées. Il y a des personnes que tu vas rendre visibles. On ne pourra plus te cacher. On avait caché la rémunération de Mardoché jusqu'à ce que Dieu empêche le roi de dormir et que le roi aille sortir l'histoire de Mardoché des annales pour dire, mais de qui s'agit-il? Le mois de mars, quelqu'un va regarder un nom, un dossier. Il va dire, mais pourquoi? Mais où était-il? Pourquoi il était caché? Mais pourquoi on ne l'a pas vu avant? On ne t'a pas vu avant alors que tu étais là. On n'a pas vu ton sacrifice alors que tu étais là. On n'a pas vu tes efforts alors que tu étais là. On n'a pas vu ta souffrance alors que tu étais là. Le mois de mars, laisse-moi te dire une chose. Ceux qui t'avaient caché seront surpris. Parce que je suis en train de voir une main invisible venir te prendre et te faire sortir et te montrer. On ne pourra. Je vois. Je vois. Ah, la parole. La parole a été faite chair. C'est le passage qui n'arrête pas de venir. Et la parole a été faite chair. Et la phrase qui suit après dans mon cœur, c'est nous avons contemplé, 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 contemplé. La parole a été faite chair, la prophétie. La prophétie a été faite chair. Oh, on va la contempler. On va dire, waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh, waouh. Je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler d'un peuple. Je suis en train de parler d'une armée. Je suis en train de parler de bâtisseurs. Les bâtisseurs de Dieu. C'est ta saison. C'est ta saison. Parce que tu as honoré Dieu, Dieu va t'honorer. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Parce que tu l'as honoré. Il me dit de te dire, tu seras honoré. Tu vas témoigner. Ah, mars. Je vois des moissons sortir du sol. Je vois des grossesses sortir. Je vois des grossesses sortir. La parole a été faite chez Jésus. Je vois. Ça s'accomplira dans la vie de celui qui a cru à la parole annoncée. J'ai soif de tout mon cœur. J'ai foi. J'ai foi de tout mon cœur. Oh, I believe in God. Alors, que la grâce de garder la foi, d'être vigilant comme un vigile, un gardien. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Veillez. Oh, accorde-nous la grâce de veiller. Mars, c'est un mois où il faut veiller. Mars, c'est un mois où tu ne peux pas laisser l'impudicité te distraire.
La débauche te distrait. Les critiques te distraient. Les calomnies. Ah non, 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 ça c'est la meilleure manière de rater la visitation. Mars, écoute-moi. Ne me parle pas de critiques. Ne me fais pas de calomnies. Je ne veux rien entendre, Mars. Je ne veux pas que tu viennes me distraire. Tu es un agent de Satan envoyé pour m'empêcher de recevoir ma visitation. Mars, je suis un vigile. Je reste vigilant parce que quelque chose va se passer. Ce qui va se passer exige de veiller et prier. Ce qui va se passer exige parce que si quand il vient, tu assoupis, il te passe. Et tu attends le tour suivant. Tu n'attendras pas le tour suivant. Voilà pourquoi en mars, tu vas veiller et prier. Veiller et prier. Afin de ne pas tomber en tentation. Veiller et prier. Et garder le dépôt. Parce que mars, je ne sais pas quel jour de mars. Mais je déclare que c'est relâché à partir d'aujourd'hui. Oh, ah, Icaparoto Sicapare. J'ai foi. De tout mon cœur. Oh God, I believe. J'ai foi en toi. Aïe, aïe. La présence est là, la parole est là, la parole a été faite chair. J'ai foi. J'ai foi. Quoi? Tu as foi en quoi? Que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Ni ton oreille trop dure pour entendre. Là où les hommes ne veulent pas, ne peuvent pas, ne savent pas m'aider, me secourir. À ma paix. J'ai foi. Tu n'es pas limité. C'est pour ça qu'on t'appelle El Shaddai. Le tout suffisant.